livre de Daniel. Moi, Daniel, je regardais au cours d'une vision de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le servirent. Sa domination était une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. De l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu, son Père, à lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et, en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui demanda. « Dis-tu ça de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? » Pilate répondit. « Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus déclara. « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi. » Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. »
Bonjour, ici Roger Ebacher. Je vous parle de studio de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Je suis très heureux de saluer particulièrement les gens d'Amos et des environs, ainsi que toutes les personnes qui nous écoutent dans ce programme où je tenterai d'expliquer un peu les textes de la messe du jour, la messe du dimanche du Christ roi de l'univers. Le Christ roi, c'est un titre un peu étonnant aujourd'hui. Pour nous, les rois, les reines, ça a beaucoup moins d'importance qu'autrefois. Et autrefois, un roi, c'était quelqu'un qui était puissant, qui avait une armée et qui avait beaucoup d'argent. Il s'habillait très richement et qui avait beaucoup de serviteurs. Alors, comment ça peut convenir à Jésus, un tel titre? Voilà, nous allons y réfléchir. Et le texte évangélique que nous venons d'entendre est tiré de l'Évangile de Saint Jean. Je vais en profiter pour vous présenter un livre que j'ai écrit récemment et qui traite justement de l'Évangile de Saint Jean. Comme vous pouvez le voir, le titre c'est « Devenir enfant de Dieu ». Devenir, qui est écrit plus gros, parce que justement, c'est quelque chose de très dynamique. Notre identité d'enfant de Dieu doit être dynamique, elle doit être active, elle doit être aller vers l'avant, quoi. Autrement, elle se détériore, elle se perd, quoi. Alors, voilà ce que je veux signifier dans ce livre, et c'est marqué en sous-titre « La croissance spirituelle dans l'Évangile de Jean ». Alors aujourd'hui, donc, on va lire une partie de cet évangile, mais c'est bon de connaître le mieux possible l'évangile de Jean, parce qu'on s'en sert souvent dans la liturgie, particulièrement durant le temps du carême, durant le temps de Pâques et dans bien d'autres occasions. Alors, je vous suggère ce texte. Ce texte, vous voyez, il n'est pas très long et il est écrit en gros, il se lit bien et il est un prix abordable. Alors, je vous le conseille, il est publié par Mediapol. Donc, entrons dans les textes d'aujourd'hui, de la messe d'aujourd'hui, celle du Christ, roi de l'univers. La première lecture peut nous déconcerter. C'est une lecture tirée du livre de Daniel. Ce texte a été écrit au moment où le peuple de Dieu, les Juifs, le peuple élu, les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vivaient une période extrêmement dramatique. Ils étaient dominés par un roi étranger, un roi syrien, qui s'appelait Antiochus Épiphane, et qui était venu profaner le temple, voler tous les trésors du temple, et imposait par la force de l'apostasie, imposait qu'on adore des idoles et qu'on quitte la loi de Moïse. Alors, le peuple est dans une grande persécution, a besoin de consolation, a besoin surtout d'espérance, et c'est le sens de ce texte. Daniel a une vision. Il dit, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Un fils d'homme, ça veut dire un homme, quoi. Mais un homme spécial, parce que il vient d'en haut. Il a une relation particulière avec Dieu. Il parvient jusqu'au vieillard. Le vieillard, c'est Dieu lui-même. Donc, vous voyez, il a accès au trône de Dieu. Dieu qui le fait avancer devant lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est accueilli. Non seulement accueilli, mais intronisé comme roi, comme chef, comme libérateur, comme guide du peuple. Il lui est donné domination, gloire et royauté. Et tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le serviront. Le prophète va très loin. Il annonce non seulement que ce fils d'homme, mystérieux, proche du divin, non seulement va libérer le peuple de Dieu et en être son roi, mais il annonce qu'il sera un roi pour tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues le serviront. Quelle prophétie étonnante! Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Autrement dit, ce texte annonçait un Messie, quelqu'un qu'on attend pour nous libérer, mais qui serait à la fois un homme, mais très, très proche du divin, et qui serait celui qui rassemble les peuples, leur donne la paix et la sécurité.
Et dans l'Évangile, on reprend ce texte d'une certaine façon. Jésus a souvent parlé du Fils de l'homme. Hein? Il s'identifie lui-même comme le Fils de l'homme. Ça veut dire que Jésus s'est présenté à ses contemporains comme un homme qui vient d'en haut, qui est d'un autre monde, hein? Et qui vient pour faire une œuvre de libération, et donc pour être roi au nom de Dieu, et de régner au nom de Dieu. Mais comment sera ce règne? Comment sera-t-il le roi? C'est un pauvre, hein? Il n'a pas d'armée, il s'habille pauvrement, il n'a pas de serviteur, au contraire, il se fait le serviteur de tous. Et même là, il est prisonnier, hein? Vous voyez, c'est à la fin de sa vie, hein, l'évangile qu'on a, c'est son procès devant Pilate. Hein. Quelquefois dans l'évangile de Jean, avant ce moment, on a voulu faire Jésus roi, le roi de son peuple, hein, mais on rêvait à ce moment-là d'un roi terrestre, d'un roi qui serait puissant, qui aurait une armée, qui chasserait les envahisseurs romains, qui donnerait beaucoup de prospérité au peuple. Jésus a toujours refusé cette royauté. Il s'est caché, il s'est sauvé dans la montagne quand on a voulu le faire roi. Il a nié qu'il serait roi ainsi. Mais maintenant, voici qu'il est prisonnier, que les chefs de son peuple ont livré à l'autorité impériale, l'autorité romaine, aux païens, afin qu'il soit crucifié. Voici que c'est à ce moment-là seulement qu'il reconnaît, qu'il affirme qu'il est roi. Alors que quand il faisait des miracles, qu'on voulait le faire roi, il n'a pas voulu. Maintenant qu'il est prisonnier, il affirme qu'il est roi. Mais dans quel sens? Vous voyez, l'Évangile dit, lorsque Jésus comparut devant Pilate, donc devant l'autorité impériale, mondiale, quoi. Donc, très important, hein? Celui-ci, Pilate l'interroge. « Es-tu le roi des Juifs? » Ah, voilà, c'est une accusation que les chefs juifs avaient refilé à Pilate. Hein? S'il est le roi des Juifs, Pilate peut considérer qu'il est donc un concurrent de César, hein? Et donc un ennemi qu'il faut détruire. Es-tu le roi des Juifs? Alors Jésus lui demande, dis-tu cela toi-même? Ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Est-ce que tu penses vraiment ça ou quoi? Ou c'est d'autres qui t'ont dit ça puis tu ne sais pas? Quelle est ta position? Comment te situes-tu en vérité devant moi? Voilà la question que Jésus sans cesse nous pose. Hein? Comment je me situe en vérité devant lui? Un jour, Jésus avait demandé à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je? » C'est la question qu'il pose à Pilate ici. « Pour toi, là, qui suis-je vraiment? Est-ce que tu considères que je suis le roi des Juifs? » Pilate a répondu, « Ben, est-ce que je suis un Juif, moi? » Ta nation, les chefs des prêtres m'ont livré à toi. Qu'as-tu donc fait? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te livre comme ça à moi? Hein? Et là, Jésus déclare ceci. Vous voyez, une déclaration très, très importante et qui nous donne finalement la raison pour laquelle Jésus, le Fils de Dieu éternel, est envoyé dans le monde par Dieu son Père. Hein? Ma royauté ne vient pas de ce monde. Dans l'Évangile de Jean, le mot monde a plusieurs sens. Hein? Le monde, c'est d'abord tout l'univers entier, là, toutes les planètes, toutes les étoiles, toutes les galaxies, tous les vivants. Hein? Deuxièmement, un autre sens, le mot monde, c'est les humains. Et Dieu a créé les humains, c'est bon, hein? Bon, l'humanité. Un troisième sens aussi, qui est négatif, qui est mauvais. Hein? Le monde, c'est toute cette catégorie qui refuse Dieu, qui refuse Jésus, qui refuse son témoignage, qui le rejette et qui le conduise à mort. Hein? Donc Jésus dit, ma royauté ne vient pas de ce monde où les rois ont de l'armée, les rois ont des richesses, les rois ont des serviteurs, les rois imposent leur domination, ils font sentir leur pouvoir sur leurs sujets et éliminent par la force leurs ennemis. Jésus dit non, ma royauté, c'est pas comme ça. Elle ne peut pas être comme ça. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs.
Donc, Jésus dit bien, tu vois, Pilate, hein, j'en ai pas de garde. Alors, je ne suis pas un roi dans ce sens-là. Hein? Non, ma royauté ne vient pas d'ici, de ce monde. Hein? Bon, Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répond, c'est toi qui dis que je suis roi. Hein? Jésus lui dit, Pilate, tu as bien compris ma réponse. Hein? Oui, tu as compris que je suis roi, c'est vrai. Hein? Je suis né, je suis venu dans le monde, ce monde humain, hein, pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. Voilà une déclaration extrêmement importante. Hein. Jésus dit, je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci. Pourquoi? Qu'éternellement le Père a voulu l'envoyer dans notre monde. Pourquoi Jésus s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie et a vécu parmi nous? Pourquoi il a posé tous ces gestes de bonté, de miséricorde, de tendresse? Pourquoi il a enseigné la venue du règne de Dieu? Pourquoi tout ça? Hein? Je suis né, je suis venu dans ce monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Vous voyez, la royauté de Jésus, c'est une royauté qui s'adresse à la liberté des personnes, hein, de leur conscience. Jésus est venu pour rendre témoignage. Il est le témoin de Dieu. Au début de l'évangile de Jean, on dit « personne n'a jamais vu Dieu ». Mais Jésus, le Fils, lui, qui est éternellement dans le sein du Père, lui l'a vu. Et il a été envoyé pour nous le faire connaître. Donc, il est venu pour rendre témoignage dans notre monde que Dieu est notre Père du ciel, que Dieu nous aime, que Dieu est miséricordieux. Voilà sa forme de royauté. Hein? Ce n'est pas une royauté qui s'impose, qui veut dominer. C'est une royauté d'amour, de tendresse, de bonté. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Tout homme qui appartient à la vérité, c'est Dieu, la fidélité de Dieu, la proximité de Dieu. Tout homme là, qui accueille ce Dieu qui l'aime, ce Dieu qui est miséricordieux, ben, il écoute la voix de Jésus, il appartient à son royaume. Hein? Et alors, ainsi, à travers tous ceux et celles qui accueillent Jésus dans la foi, s'instaure un royaume de justice, de paix, de miséricorde et de bonté. Mais l'important, c'est de faire notre choix. Est-ce que j'accueille cette royauté de Jésus sur moi, dans ma vie? Si je l'accueille, bon, je dois vivre en conséquence. Vous voyez, accepter la royauté de Jésus dans ma vie, ça a des conséquences, hein? Je dois, moi aussi, en tant qu'appartenant à ce royaume, ressembler à Jésus, ressembler à mon roi, reconnaître mon roi, suivre mon roi, hein, et suivre mon roi qui me conduira à me donner aux autres dans l'amour, au don de ma vie, quotidiennement, hein, dans l'amour, dans la bonté, dans le pardon. Voilà ce que c'est qu'appartenir à son règne, c'est obéir à Jésus, lui faire confiance et le suivre. Donc, tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix et me suit. Et les conséquences sont énormes, hein, parce que si on écoute vraiment Jésus, si on le reconnaît comme notre maître et notre Seigneur, hein, on veut que son règne s'étende tout autour de nous et que partout règne plus de paix, plus de vérité, plus de justice, plus de fraternité, d'où la nécessité de s'engager à la suite de Jésus envers les petits, les pauvres, les blessés de la vie, ceux et celles qui n'ont personne s'appuyer, sur qui s'appuyer. Alors ça, c'est très important, vous voyez. La royauté de Jésus, ce n'est pas une histoire en l'air, hein. C'est une réalité que on accueille ou on refuse. Si on refuse, on est en dehors du royaume. Si on l'accueille, bien là, on vit en conséquence et on s'engage vraiment. Dans la deuxième lecture, la lecture de l'Apocalypse, hein, on nous invite à approfondir cette réalité, de contempler mieux comment Jésus est notre roi. Vous voyez, c'est le début du livre de l'Apocalypse.
Oublions pas, l'Apocalypse, c'est pas un livre pour nous faire peur. Au contraire, c'est un livre pour nous donner l'espérance, nous donner du courage dans les moments difficiles. Le livre qui nous rappelle l'essentiel de notre foi. Jésus est notre roi. Jésus règne sur nous. Jésus règne sur le monde. Jésus a sauvé le monde. Voilà les vérités qui sont dites dans l'Apocalypse. Et on va lire ce qui est dit aujourd'hui. Que la grâce et la paix vous soient données. Mais c'est un salut qui est très beau, qu'on doit accueillir aujourd'hui dans notre vie. Que la grâce, ça veut dire la bonté, la tendresse, la proximité de Dieu. Et la paix, quand on accueille cette proximité, cette bénédiction, on a la paix en nous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. Qui nous donne cette grâce et cette paix? Qui nous bénit ainsi? C'est Jésus, donc l'homme Jésus qui est né sur la terre. Mais aussi Jésus, le Christ, le véritable Messie, celui qui est venu pour libérer tous les humains. Et Jésus, le Christ, est le témoin fidèle. Voilà, on reprend la parole qu'on a lue tout à l'heure dans l'Évangile. Jésus, c'est le témoin fidèle, il est fiable. On peut s'y fier, tout ce qu'il nous dit sur Dieu, c'est vrai. Voilà, c'est l'affirmation fondamentale. On a tellement des images fausses de Dieu. On a peur, on se méfie de lui, on n'est pas sûr de son amour, on n'est pas sûr de sa miséricorde, on a toujours des scrupules, des doutes, ou bien on se fout de tout ça. Et non, il faut se fier à Jésus, à ce qu'il nous dit, c'est le témoin fidèle. En plus de ça, il est le premier-né d'entre les morts. Il est celui qui a vaincu le mal, la mort, le tombeau, qui est sorti du tombeau, qui a ressuscité. Et le premier, pour que nous suivions aussi un jour ce chemin de vie éternelle. Il est le souverain des rois de la terre, donc celui qui est au-dessus de tous les pouvoirs humains et qui invite toutes les personnes à suivre son règne. À lui qui nous aime. Il nous aime. Voilà une affirmation encore extrêmement émouvante. Il nous aime, il m'aime. Pourquoi est-ce que je peux dire qu'il m'aime? Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Hein? Par son sang sur la croix. Il nous a délivrés de nos péchés. Il a fait de nous un royaume et les prêtres de Dieu son Père. Vous voyez, il a fait de nous, qui croyons en lui, son peuple. Hein? Son royaume, et un royaume de prêtres, hein? Ça veut dire de personnes orientées vers Dieu. Hein? Par le baptême, c'est ce qui arrive. Hein? Vous voyez, à chaque fois que je donne le sacrement du baptême, par exemple, je dis au nouveau baptisé, tu es prêtre, prophète et roi. Voilà la réalité intime qu'on est. C'est un don de Jésus, ce qui fait qu'on entre dans son royaume. Hein? Donc, à ce Jésus, Christ, qui est mort pour nous, qui a ressuscité pour nous, qui va nous ressusciter, à lui, gloire et puissance. Il faut lui rendre gloire, il faut le remercier, il faut dire comme on est fier de lui, comme on est content de notre roi. Hein? Voici qu'il vient parmi les nuées, tous les hommes le verront. À la fin de l'histoire, il viendra. Glorieux, vainqueur, hein? Tous les hommes le reverront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Se lamenteront, ça veut dire, ouvriront enfin leur cœur à sa venue. Reconnaîtront leur bêtise de l'avoir refusé. Et s'ouvriront à sa miséricorde. Hein? Voilà. Oui, voici qu'il vient parmi les hommes, et tous les hommes le verront. Le verront. Voir Jésus. Regardez la croix, regardez son cœur transpercé. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Oui, réjouissons-nous. Quelle belle fête que celle du Christ-Roi. Vivons-la en nous y engageant. Prenons conscience qu'elle nous compromet.